c'est une immense écrivain que j'adore, hein, qui s'appelle Hélène Dunmore, et qui vient de faire paraître un livre au Mercure de France qui s'appelle Trahir. Ça, c'est, pour moi, c'est chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. On dit que tout est un chef-d'œuvre, mais là, c'est un livre dont on se souvient, les personnages vous marquent. Hein. C'est l'image, on est à la fin de la guerre, enfin, la guerre est gagnée, on est à Moscou, sous Staline, la barbarie, la cruauté, d'un couple, Anna et André. André, lui, il est médecin dans un hôpital, pas dans une clinique, hein, dans un hôpital, on est à Moscou. Lui, il est spécialiste des os, et puis il est avec sa femme, Anna, elle travaille dans une crèche où elle est spécialiste de la diététique chez les petites, comment les nourrir et tout. Et puis, elle a un fils, pour lui, c'est un beau-fils, qui est fou de musique, mais bon, ses projets sont un peu trop contrecarrés, parce que ce sont des gens qui essayent d'être heureux, malgré la cruauté, malgré tout ce qui se passe. On ne sait pas si le matin, quelqu'un ne va pas venir vous chercher, sans savoir pourquoi on va venir vous chercher. Donc, ils essayent d'être heureux. C'est une description de la vie quotidienne sous Staline, dans les années 50. Hein. Il n'est pas encore mort, il est au contraire vraiment flamboyant. Hein. Tout se passe à peu près bien jusqu'au jour où dans l'hôpital d'André arrive un jeune garçon qui est très 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 malade. Ce gosse est fou de foot. Son père, lui, veut absolument qu'il soit un champion de foot. Le problème, c'est que personne n'ose donner au père le diagnostic. Le diagnostic, il est assez dramatique, c'est-à-dire qu'il a une métastase, on va être forcé d'amputer le jeune garçon. Mais l'horreur, c'est que le père est un des pontes du KGB et que tout le monde est vraiment effrayé, mais vraiment effrayé, d'annoncer ça au père en se disant « c'est la mort pour nous, c'est le goulag, c'est… » Et ce jeune médecin, André, va être le seul qui va oser parler à ce père. Et ce qui est assez troublant, c'est que ce père qui est d'une cruauté, qui a dû condamner des gens, qui terrorise tout le monde, on arrive à ne pas le détester parce qu'on retrouve derrière le père, quoi, qui est complètement désespéré par ce qui arrive à son fils, qui est aussi le père dont les ambitions sont brisées, hein, par la maladie de son fils. C'est une histoire d'amitié entre le fils et le jeune médecin. C'est tout un ensemble, c'est psychologiquement subtil, c'est toute une description de l'Union soviétique, du système médical, où on faisait toute une apologie du système médical, mais que la terreur était complètement infiltrée aussi dans ce système. C'est une histoire d'amour, hein, entre André et puis Anna. C'est un secret entre le père d'Anna qui écrit des cahiers, qui a écrit autant de Staline, mais des choses qui sont pas vraies, enfin qui sont vraies, mais qu'on ne devrait pas dire, donc on est forcé de cacher. C'est absolument merveilleux, c'est un des plus beaux romans et un des romans les plus forts que j'ai vécu sur cette époque. Allez-y, vous n'oublierez, ça va rester longtemps, les personnages vous resteront longtemps dans votre tête. Ça s'appelle Trahir d'Hélène Dunmore chez Mercure de France, c'est une des révélations de l'année.